Hola, de nuevo, buenas tardes. Ya estamos en la penúltima sesión de este día intenso. Y bueno, esta mesa un poco viene a completar la mesa anterior, ¿no? En la que hemos hablado de la regulación de lo que son los comunes, ¿no? En la ciudad. Y tenemos esta mesa para ver experiencias, casos concretos de estos comunes urbanos. Para hacerlo, contamos con Doina Petrescu, a mi izquierda. Ella es profesora de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, y nos hablará de una red de comunes urbanos en París desde la perspectiva de la capacidad de resiliencia ciudadana. Después tenemos a Sonia Solfo, que ella es gerente cultural en Zagreb, Croacia, y nos hablará justamente del modelo de Pogon, que es una institución cultural y que justamente es innovadora allí en Croacia por su modelo de gobernanza. Y por último, a Bertrand Foss, que es cofundador y presidente de Solon y que nos hablará justamente de esta organización, que es una organización sin ánimo de lucro, dedicado a la construcción de comunidades urbanas en Montreal, sobre diferentes campos, energía, movilidad, etc. Para hacerlo, la idea es que puedan hablar una primera introducción cada uno de 12 minutos aproximadamente y que luego pues, tengamos un espacio para el debate. Así que sin más, le paso la palabra a Dania. Adelante. Thank you. Should I take this? I'll speak in English. Also, I'll show work in France. I just want to kind of make this talk more accessible to more people. So, as we have noticed also in the previous panel here, the commons are key for the contemporary discussion on democracy. And I think this is also, and maybe ultimately, because the critical question of our Anthropocenic times is how to govern our common and limited resource, which is our planet. And somehow commons involve a pool of resources, as we know, that are governed by a community, according to a specific set of rules and a commoning process that is set up by the community. And for this reason, the commons means simultaneously resources, social processes, modes of production, and forms of governance. And somehow, this has been discussed more recently, at least in the work of the Nobel Prize economist Eleonore Ostrom, who brought into attention the commons as offering a resilient alternative to the current way of governing the world resources, I think. She has mainly studied traditional commons, however, rural commons in different global contexts, like places like fisheries, forests, pastures, and has concluded on a number of principles on how commons can be successfully governed. One being, putting, boundaries around the pool of resources and assigning a precise community around it. My question is, what about urban commons? Because urban commons are far more complex than the rural commons. They are involving more complex negotiation processes in which not only the commoners are involved, but also other external to the community actors, and they generate multiple interactions. So public actors, such municipalities, the state, private actors also, like companies, organizations, and also other communities might be involved in these negotiations. So urban commons need to be designed, supported, and reinvented as part of a complex process of transition towards a more resilient form of governance of the city.
And this process needs agency and actors, and what I will particularly speak today in my presentation would be about the role of architects as such actors, and I will give an example of how architects, including myself, can design, sustain, and defend urban commons. We have proposed an open source framework for resilient urban regeneration rooted in everyday life practices and commons governance in 2008 as part of a Life Plus project. And we imagine this as a strategy that can be implemented in a pilot project in a suburban community. And the principle of this is that is based on the implementation of a number of civic hubs, which are in fact the physical infrastructure for this strategy. That can be very different, you know, in terms of programs. So the program is sort of defined by the community in which this is these are implemented, and they are offering space and resources for you know emerging stakeholders that will carry on, that will you know set up what we call resilient practices. And the second stage would be to support these emerging stakeholders, but also to connect with other existing initiatives that are going in the same direction. And I would say the last phase would be to make these hubs functioning together through locally closed circuits in such a way that a sort of ecological circuits are established, as well as economic circuits, and with you know very positive consequences on the local economy and on the social life in the neighborhood. So waste can be, for example, recycled locally. Water consumption can be reduced. Energy can be produced in this way. And with this in mind, we have contacted a municipality at the northwest of Paris, Colombes, which is at that time had a socialist green government, and we put together a partnership, including also another organization in UK for a Life Plus program of environmental governance. The project supposed the construction of three pilot units, three such civic hubs, one on urban agriculture, another on recycling, and a third one, cooperative housing, in such a way that we are covering three main aspects of urban life, one can say. The first one with which we strategically started was the urban agriculture hub, which was implemented on an existing piece of land that belonged to the municipality, and it was a sort of midterm use that we envisaged at the time, like 10 years use, the land being part of a regeneration program. And this would be more than an urban farm because it will contain also spaces for education, training, also spaces for processing the food, different types of urban agriculture also. And it will develop also different circuits, including internal circuits. And we have started in 2012 with the community garden aspect of it, just to allow people in the neighborhood to have access to the space and to take part in the project as it goes.
And then in 1 year, the project was fully functioning. It was very successful. But what was important is that, again, and this is our architect's take on it, is that the facility would showcase many of the processes that we were speaking about, like, you know, it was made out of recycled materials. The way the space was organized would allow a number of activities to take place at the same time. You know, the greenhouse would become also a place for production. So there was a cyclical use of it. Again, the project will showcase in the public space everything that happens inside. But we had also a number of ecological prototypes, like this one, which was a filtering device, so all the gray water was filtered in such a way that all these processes again become tangible and visible. So, so the public and also the user will learn not only about this, but also how to manage all these type of devices. You know, the whole rainwater was collected and it will be used for watering the garden. And this is, you know, the presence of the project in the neighborhood. So those people that would live in these high-rise buildings will see, you know, the products of their labor somehow, as well as this place as a community place. The Resi Club had a different condition. It was on an abandoned street built, and it was meant to be at the same time a recycling platform, but also platform for eco-construction. So we can transform urban waste into something that would be useful for people, like, for example, infrastructure for these urban agriculture projects. And again, with the same principles of showcasing all these, activities that we were speaking about, recycling, using low carbon materials. So Resi Club had taken advantage of this, of all the constraints of being on the street. We had on the top, the eco-design spaces, and on the bottom, the workshop spaces. And what is the most important is that all this needed a process of collective governance. And this had many many aspects, you know, from just discussions to doing things together, skill sharing, information sessions, workshops, and so on. Also, the stakeholders and the social entrepreneur have started to emerge in both of these hubs, they had the infrastructure to kind of develop their activities, and there are very good success stories, like the worm compost guy who has developed a school of compost and has trained a number of colleagues, and these are other initiatives. But what I want to say is, and maybe if you allow me one more minute, is to say that even if this was a quite an incredible impact that the project had on the neighborhood, at the local elections, we had to face a new local government that was in place that would be against this approach. So, new mayor, that whose husband was a developer, wanted to claim back the land because it belonged to the city, and has threatened us with eviction, which was quite incredible as a process. I mean, this was a big scandal. And this speaks also about the fact that commons are, in fact, political. They are never neutral. So this was against her political agenda, but also her own, you know, personal interest. So we had a petition. We had a case in court. At the end, we lost because the current legislation doesn't support commons.
of course, and I think that this is a big, I would say, an urgent priority for you know, our actions and future actions is to support new legislations, because until now it's just you know, they are depending on the good political will of the local governments in place. So as in Aikido, we have transformed this negative dynamic into a positive dynamic and found a different place where we have relocated, you know, this time instead of an existing parking. And now the stakeholders were the advocates of the project. So we reconstructed everything because it was thought and designed for reconstruction. And the building itself was resilient, we can say, and this is how it looks now. And it's not only here, but also in Bagneux, in Nanterre, you know, a bigger hub also in Paris. And now we have, you know, many, you know, urban units, I would say, that we will get organized as a community, a land trust to find a bigger scale form of governance with this idea that maybe it will become a movement. Thank you. Sonia? Thank you. So, until I set up, hello everybody, I'm Sonia Soldo from Zagreb, Croatia. I don't know if you know where it is, and where is my presentation? Do you know, maybe? That one? No? No? That one, yeah. No, you no? Closed it. No, no, it's okay. Okay, here. No, the second one. Yes. Mm-hmm. Okay, hello. So I would like to present to you the modest example in Zagreb. It's an institution founded by the city and association of NGOs working in culture and youth work. And the story how it came about. So, pogon is the meaning of the word in Croatian is drive. It's also a part of the factory where the production happens. So this is the idea is that we are actually resource and we try to gather as much as resources and share them for everybody that doesn't have them, that work in the field of independent culture and youth. Croatian context is that the cultural scene is dominated by traditional institutions, which are important and need to be defended. But the majority of the cultural production is done outside of those institutions, which are closed for any new currents, and especially in terms of accessing power and establishing some kind of equilibrium of power. This is it's a fortress situation. On the other hand, you have a very vibrant scene dealing with contemporary art, various media, and the scene is also very connected to other fields and operates
in working together and also gathers around the urgent topics and different alliances come alive when there's a problem connected to defending public space and defending basically the commons. So we have examples of working together with the unions to stop the privatization of Croatian highways, of collaborations with retired urban planners and green initiatives in order to stop certain manipulative plans of building. So the whole initiative started in 2005. And out of the need, actually. So, as I said, the independent cultural scene didn't have any spaces to operate in. It was very poorly funded and not visible. There was no dialogue with the cultural system. So a few actors got together. Here you can see three youth cultural clubs, a national network of NGOs that's working in culture that exists for the collaborating on programs and decentralizing culture in whole Croatia. You can also see here we included the umbrella organization of youth organizations joined, and here down you can see Zagreb Cultural Capital 3000. It's actually a loose alliance of eight NGOs working in contemporary art. So we were organizing debates, round tables, trying to raise awareness of this topic and also include the politicians, especially before the elections. We called all the candidates for mayors to state what they will do about improving the position of young people in Zagreb. We articulated the needs and solutions in declaration that was signed by many representatives of the cultural field and the youth. And then publicly we invited all the candidates for mayor to sign it and to commit that they will do something about it. We also wanted to test how we can work together and what do citizens think about it. So we created two organizations invested their yearly budget and program to create sort of basic infrastructure and invited all the others to join to create programming together over 10 days that attracted many audiences and created a very diverse program. It was a huge success. It took place in an old distillery. And this was one of the spaces that we wanted to claim to, and this was the tactic to show how it could work in the future and that the citizens would appreciate it, not that it would just be a solution for our needs, but for the city. So the results were very poor. The newly elected mayor ignored all his promises and we didn't get the space, it was privatized, and we learned the lesson that maybe doing things by the book and acting from this weak position with just having demands is maybe, it didn't work for our context. So we turned to activism. We
then just to make it shorter, so there are a few examples of like billboard jamming, occupying abandoned spaces, doing program there. This Jedinstvo is one factory, and we established illegal temporary cultural center, cultural and youth center there, which got some visibility, made the mayor angry and the administration too, and then the conflict was more visible and more serious. This Pravo na grad means a right to the city, and it was an initiative to defend to fight against one speculative building project in the center of the city. So we organized this kind of like very visible actions. We also organized signing of the petition that was signed by some 40,000 people against the project, and we also organized public protests that got many people in the streets against the project. So all of these tactics actually before one elections resulted in forming a new institution that is based, as I said, on civil public partnership, and here you can see the scheme of the model. So the city of Zagreb, together with the alliance, this is the alliance of NGO in culture, working in culture and youth, co-founded this institution. So the basic financing and public supervision comes from the city, and the programming comes from the like from everybody that actually needs the space to produce, experiment, and showcase their programs. So this is in more detail. You can see how it functions. So basically, the only mechanism for now that we developed to manage this thing is the managing board or the steering committee, how you could call it. There are members of the city, the alliance, and of the employees in that body, and the body that's responsible for just interpreting the basic rules of getting the spaces and monitoring the program profile is the program board, and anybody can state their candidacy to become a member of that board. So. And we have two locations in Zagreb. The plan was to have a multi-locational cultural center because not one typology of the space could be a solution for the whole scene of Zagreb. For now we have two, but we need more. So one is the office and the conference hall. One is a former factory. With two spaces. One is really big, and it's really crucial for many programs in Zagreb. And our mission is actually to support with providing whatever we have, and this is for now venues and some equipment. And the programming happens on first come, first served basis. We have an open calendar. There's no curatorial authority, but this program board just broadly, when there's a suspicion that something is maybe like of questionable values, then program board decides, but basically the rules are clear and the booking process goes smoothly. Also, we understand this mission as also
creating opportunities internationally for artists and cultural producers. So we engage in international collaborations. We have residency exchange. So this support also can have different forms, because as we already heard today, interlocal connections are very important to foster local development. Thank you. Bonjour à tous. Je vais parler en français, si ça convient avec l'introduction. Et donc, je vais vous partager un exemple concret de commun. J'avoue être impressionné par les deux présentations. Un exemple un peu plus petit, un peu plus jeune, qui vient de Montréal, donc au Québec, qu'on a appelé Solon. Et donc, en fait, Solon, on va y venir, c'est un organisme qui a été fondé et qui est gouverné aujourd'hui par des citoyens et des groupements de citoyens, avec l'objectif de créer des milieux de vie dans Montréal, des milieux de vie qui sont plus équitables et plus solidaires, et qui sont aussi à bas carbone ou sans carbone. Donc un travail que ce regroupement essaie de faire pour vraiment relier la question de la participation et de l'appropriation à la question de la transition socio-écologique. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à Montréal, c'est un axe particulier, on n'est pas les seuls évidemment à parler de commun urbain aujourd'hui à Montréal, c'est un thème qui porte beaucoup. Certains l'abordent avec plutôt la casquette numérique, il y en a qui l'abordent avec la question de l'usage l'usage temporaire de bâtiments vacants. Nous, je pense que ça vaut la peine de l'aborder, on vient une petite photo qui manque, voilà. On vient au départ de quelque chose qui s'appelle les ruelles à Montréal, puis je prends juste quelques minutes avant d'aller sur Solon pour expliquer pourquoi, en termes de commun, c'est intéressant. Montréal, on a reçu de notre histoire un cadeau urbanistique, comme j'aime l'appeler, qui sont les ruelles. En fait, on a le plan d'urbanisme à Montréal, comme vous voyez ici une petite partie de la carte, donc c'est très nord-américain, c'est un damier. Et donc ça forme toute une série de petits blocs de maisons autour desquels vous avez des rues. Et la plupart même de ces blocs, au milieu, vous avez ce qu'on appelle une ruelle, donc une petite rue, comme celle que vous voyez ici à votre gauche. Alors c'est très intéressant parce que ces ruelles ne sont pas strictement nécessaires du point de vue voiture. Et elles ont été au fil du temps délaissées. Ça devenait en fait des endroits où on mettait les déchets, où on venait livrer le mazout, ce genre de choses. Jusqu'à ce qu'il y ait une vingtaine d'années, des citoyens commencent à porter un mouvement qui a été repris progressivement par la ville, porter un mouvement de verdissement de ces ruelles. C'est devenu ce qu'on appelle le mouvement des ruelles vertes à Montréal. Et alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est un mouvement qui a été porté par les citoyens. Et donc, ils se sont dit, tiens, il y a un espace ici qui est un espace public, qui n'a jamais été privatisé, contrairement à d'autres villes, il est resté public. C'est un espace public, on va l'utiliser, on va en faire quelque chose qui va améliorer notre qualité de vie, améliorer notre quartier. Et ils l'ont fait. Et la façon avec laquelle les arrondissements de Montréal l'ont repris est très intéressante aussi, parce qu'eux ont décidé progressivement d'établir des programmes publics pour favoriser cette réappropriation d'un espace public. Donc ils ont établi des règles en disant, ben voilà, si vous faites ceci, cela, vous, citoyens, si vous êtes capable d'aller chercher autant de signatures dans votre voisinage pour refaire autre chose, eh bien nous, arrondissement, nous, ville, allons vous soutenir. Et donc ça a créé tout un mouvement, non seulement de verdissement des ruelles et de projets très intéressants, mais surtout ça a créé un tissu social dans les ruelles qui était parfaitement inexistant, enfin j'exagère, qui était inexistant ou faible auparavant. Donc avant de rentrer dans ces processus-là, les voisins ne se connaissaient pas, les gens ne se connaissaient pas, ne se faisaient pas confiance. Et suite à leur participation à ce processus de verdissement des ruelles, les voisins ont commencé à se connaître par la force des choses.
au début. Donc là, on a commencé à se connaître, on a commencé à connaître notre prénom, on a commencé à se faire confiance, on a commencé à toute une série de choses, avoir un comité de ruelle, donc une instance capable de prendre des décisions. Et donc, de ça, a commencé à émerger des idées de projets complémentaires. Puis la confiance aidant, on a fait d'autres projets. Et puis on a avancé, on a avancé, on a avancé. Et dans ce sens-là, je trouve que la ruelle est vraiment, en fait, avec le recul, un exemple très intéressant d'un commun. C'est un terrain public qui, au départ, était peu utilisé. Puis différentes couches de gouvernance établies par les citoyens, par la ville, ont fini par en faire un terrain qui était utilisé par tous, au bénéfice de tous. Ça, c'est les ruelles, et c'est un peu de là que nous, on est issus avec Solon. Progressivement, d'un espace, comme je vous dis, qui n'était plus utilisé, c'est devenu un espace social. Différentes ruelles les ont utilisées pour différentes choses. En fait, chaque voisinage va décider ce qu'il fait de sa ruelle. Dans certains cas, il n'y a rien, toujours aujourd'hui. Il y a plus de 3000 ruelles à Montréal aussi, peut-être intéressant de le signaler. Vous avez 100, 150 logements par ruelle, 3000 ruelles, donc un potentiel énorme. Et certains ont décidé d'en faire des petites places culturelles, comme celles que vous voyez là, où il y a des contes pour enfants, des films, des soirées poésie, toute une série de choses. Des patinoires en hiver, on a beaucoup de neige à Montréal, donc des patinoires sur la ruelle. Donc une série d'activités propres à chaque ruelle qui a permis de créer des relations de voisinage et des communs urbains. Certains de ces voisins qui ont commencé à faire ces projets-là ont eu progressivement, ça date d'il y a 2 ans, la création de Solon, l'idée de créer un organisme donc, qui s'est appelé au final Solon. Avec l'idée, à partir de ce qu'on avait fait ensemble dans des ruelles, c'est là qu'on s'est connus, à partir de projets concrets, on s'est dit, tiens, il y a peut-être l'opportunité d'aller un peu plus loin et de sortir du cadre strict d'une ruelle, le garder, mais d'aller un peu plus loin, d'envisager l'ensemble du milieu de vie, pas strictement une ruelle, mais en regrouper certaines, commencer à parler à d'autres acteurs du milieu de vie, et commencer à envisager des projets un peu peut-être plus ambitieux, qui sortaient du cadre historique des ruelles. Donc on a eu certaines idées, et ça nous amenait la volonté de créer ce qui est devenu progressivement depuis 2 ans un outil collectif qu'on se donne comme citoyen, comme regroupement, pour aller plus loin dans la création de communs urbains. La gouvernance, on pourra en reparler. Mais en fait, ça, je vous l'ai raconté au début. Et donc, on était quelques-uns au début, il y a 2 ans, on est rapidement devenus beaucoup plus. Le moyen d'action principal qu'on se donne pour être capable de créer ces milieux de vie plus participatifs et sans carbone, c'est les projets collectifs. Multiplier les projets collectifs, créer une culture de participation, multiplier les points d'accès que nous pourrions avoir comme citoyens dans la réappropriation de nos milieux de vie, et donc, dans le fond, multiplier les projets. Donc, les citoyens qui se sont appropriés Solon au début, qui en ont fait cet outil collectif, ces différents outils qu'on s'approprie aujourd'hui, ont décidé de monter une série de projets. Il y en a beaucoup. Et je vais peut-être vous en présenter ici 3. Le premier projet qui a émergé, qui date en fait de notre début, c'est la première coopérative, ce qu'on souhaite qu'il devienne la première coopérative énergétique à Montréal, qu'on a appelée Celsius. Là, vous voyez une image, on espère que ce sera des photos, même l'année prochaine, en fait, normalement, on creuse l'année prochaine. C'est un projet de géothermie collective. Donc là, vous voyez la ruelle que je vous ai présentée. On s'est dit, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas creuser cette ruelle-là, aller chercher la chaleur du sol avec des puits géothermiques, une technologie très maîtrisée, mais en faire une infrastructure collective, possédée, gouvernée collectivement, qui permettrait de chauffer l'ensemble des logements adjacents à la ruelle pour évidemment sortir les hydrocarbures, faire de l'efficacité énergétique, mais aussi continuer à bâtir l'esprit de voisinage avec des projets concrets. Donc ça, c'est le projet Celsius que vous voyez schématisé ici, sur lequel on a été chercher aussi le support de toute une série d'acteurs. Les communs, ce n'était pas juste les citoyens au départ. On a eu le support de l'arrondissement, de la ville, progressivement, qui nous aide dans ce projet. Étude de faisabilité est terminée. On termine l'étude opérationnelle de ce projet, qui est quand même un projet vraiment d'ampleur. Et on s'en va vers la création de la coopérative début d'année prochaine et les premiers trous également l'année prochaine. Donc coopérative énergétique. Deuxième projet que je vous mentionne, qui est sorti plus tard, mais qui en fait démarre plus vite parce que intrinsèquement plus agile, on a monté, donc un autre groupe a monté un projet qu'on a appelé Locomotion, qui est un projet de partage de véhicules au sein d'un milieu de vie. Puis là encore, en termes de commun, l'idée derrière est de se dire, dans un certain milieu de vie, il y a beaucoup de véhicules, surtout des voitures, d'autres véhicules aussi, véhicules privés, véhicules collectifs. Peut-on réfléchir progressivement à voir l'ensemble de ces véhicules comme un commun et y ajouter progressivement des règles de gouvernance et de gestion commune pour aller vers une gestion beaucoup plus sensée du parc de véhicules qu'on pourrait avoir dans un arrondissement. Et donc on a eu cette idée de créer un système de partage de véhicules qui soit adapté à la réalité de chacun des milieux de vie, un peu comme les ruelles s'adaptent à la réalité de chacun des voisinages. Et donc on établit tous les outils
C'est un peu ça, selon, c'est un outil commun. On établit tous les outils qui permettent à ce moment-là, au milieu de vie, de se les approprier et dire, ben moi, dans mon milieu de vie, on va se partager entre nous des voitures, on va s'acheter collectivement des remorques à vélo, ou nous, des vélos cargo, ou on va, alors ça, si vous pouvez aller loin dans les véhicules, et on va progressivement se partager ces véhicules-là, en réduire le nombre, parce qu'il y en a beaucoup trop, là, 95% du temps, les voitures sont peu utilisées, on va en réduire le nombre, et puis on va utiliser ça comme levier de développement de notre bien-être dans le milieu de vie. Et alors, ce qui est intéressant aussi, là aussi, donc c'est un peu les citoyens qui portent au départ. Ça part en fait, le projet est issu de 1 ou 2 ans d'activité de co-création dans des milieux de vie pilotes. Donc les citoyens le veulent, puis ils travaillent là-dessus, puis certaines de ces activités-là sont faites en pure co-création avec eux. Et puis progressivement, bien la ville s'y intéresse. La ville a un intérêt au départ passif, puis progressivement actif dans le projet. Et puis travaille à Montréal à voir comment elle peut, de différentes façons, soutenir l'émergence de ce genre de projet-là. Tiens, est-ce qu'en tant que ville, je peux vous fournir des espaces de stationnement gratuitement sur rue pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez en termes de partage? Le genre de questions qu'on aborde aujourd'hui avec la ville. Progressivement avec la ville aussi, la plateforme qu'on a progressivement conçue, très, très bas niveau en termes technologiques, puis c'est important, on est en train de voir comment on peut la faire évoluer d'une plateforme de partage de véhicules à une plateforme de proximité où différents autres services pourraient devenir accessibles. Ça aussi avec la ville. Donc ça, c'est le deuxième exemple, locomotion. Et le troisième, on revient à nos premiers amours avec les ruelles. Mais un peu, comme je vous ai dit, on sort de la ruelle pour aller vers plus largement un groupe de ruelles et donc un milieu de vie. Là aussi, de toutes les activités de co-création qu'on a menées depuis 2 ans, il y avait un gros besoin qui était émis par les milieux de vie sur lesquels on a travaillé pour des espaces publics qu'ils pouvaient se réapproprier plus largement que dans une ruelle. Et donc, on a travaillé sur 2 espaces en particulier. Un qui était auparavant un espace de stationnement sauvage, tout simplement, et l'autre qui était une place publique mal conçue et très mal aimée. Et donc, pendant tout le printemps et l'été cette année, des groupes de résidents et d'autres acteurs locaux, en fait aussi les commerçants autour de ces places-là, ont travaillé à concevoir des espaces beaucoup plus adaptés aux souhaits et à la volonté du milieu de vie. Et c'est devenu progressivement un espace de passage, mais un espace aussi où les gens s'arrêtent et commencent à créer une sorte de tissu social. On n'a pas la même culture, je pense, à Montréal que j'ai pu voir ici dans les rues à Barcelone, où on va rapidement dans l'espace public se l'approprier pour se parler, manger, faire des choses. Et donc, ça, c'est un peu le but d'aller vers ça. Donc ça, c'est un troisième exemple. Chaque fois, on crée dans le milieu de vie, qui est un peu la tangente qu'on garde à chaque fois. Et puis juste pour terminer, quelques éléments qui nous ressortent. Évidemment, ça se construit bien, il y a toute une série d'enjeux. C'est intéressant à quel point on s'est rendu compte au début, puis c'était déjà le cas de les ruelles, la confiance est le facteur principal, mais ça se construit lentement, la confiance. Et je veux dire par là la confiance entre nous, mais aussi la confiance en nous-mêmes et en notre capacité de réellement mener des projets de cette ampleur-là comme regroupement de citoyens. On se rend compte à quel point notre confiance en nous est atrophiée. C'est parfois étonnant. Et l'autre élément qu'on a trouvé un peu atrophié aussi, c'était notre capacité de décision collective. Ça, c'est un enjeu vraiment important. Comment est-ce qu'on est capable de décider collectivement de ce qu'on fait? Il y a une petite atrophie là derrière. Par rapport au commun, on s'est rendu compte, nous, qu'on allait plus dans le commoning, terme qu'on n'arrive pas encore forcément à traduire en français, que dans le commun en lui-même. On ne voit pas trop la pureté du commun. Par contre, le fait de mettre en commun le commoning, même si au départ on parle d'espace ou de ressources qui sont de nature privée ou même publique, eh bien, peu importe, on peut faire du commoning là-dessus en établissant progressivement des règles de gouvernance et d'appropriation citoyenne. Et c'est plus dans cette optique-là qu'on se situe, dans l'action et dans le commoning. Challenge de l'inclusion, puis je crois qu'on arrive au bout, je vais me dépêcher. C'est toujours un challenge qu'on a depuis le début. Et également, les ruelles l'ont constaté. Différentes parties de la population qui ne se rencontrent pas toujours. Un de nos principaux takeaways de nos travaux, c'est que pour créer une culture de participation, on doit absolument travailler à multiplier les points d'entrée pour les citoyens. Pas juste un. Si on fait juste une coop énergétique, c'est une chose, mais comment, dans certains milieux de vie, on peut multiplier les points d'entrée pour la participation citoyenne. La relation avec la ville est absolument essentielle. Je vous ai donné tous les bons exemples. Vous doutez évidemment qu'il n'y a pas que des bons exemples dans la relation avec la ville et les institutions en général, y compris les institutions financières. Et la balance n'est pas forcément facile à trouver, notamment aussi du point de vue de la compréhension de l'intérêt collectif et du respect de l'intérêt collectif. Et alors le dernier point, puis je termine par là, c'est que dans les dernières années, ce qu'on a vu aussi de très 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 intéressant, et qui c'est une grande convergence progressive d'actions comme celle-là, et de Solon en particulier, avec les objectifs que la ville de Montréal se donne dans le contexte de la ville intelligente. Je pense qu'on n'est pas les seuls à prendre cette tangente-là à Montréal, mais c'est super intéressant de voir comment la ville elle-même a complètement retourné dans les derniers mois ou dans les dernières années la logique de ville intelligente pour la retourner d'une logique très numérique à une logique très
citoyennes, regroupements, collectifs, et comment est-ce qu'on peut, à partir de là, déterminer nos besoins en termes de vie intelligente. Puis ça, la coordination avec les efforts qu'on fait dans un groupement comme Solon est vraiment intéressante. Puis on sent que là, il y a un driver très, très, très important pour la suite. Je crois que c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Bueno, pues muchas gracias por respetar los tiempos. Eso nos permite ahora poder tener 15 minutos de debate, aportaciones, bueno, un poco lo que queráis compartir. Así que si queréis hacemos una primera ronda. ¿Alguna palabra? Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant et je suis de la ville de Nanterre. Et on a récupéré le fameux recyclable, effectivement, qui a été présenté tout à l'heure sur les grues, avec l'école du compost qui continue à donner des cours. Et on espère se développer avec notamment le groupement autour de Yes We Camp, qui s'est installé sur le futur 11e quartier de Nanterre. Voilà, donc merci beaucoup. Et j'en viens justement à une question. On est en train de découvrir l'objet SIC. Alors c'est très franco-français peut-être, je suis désolée, mais en fait c'est société coopérative d'intérêt collectif, donc on est bien sur la question des coopératives et qui sont des outils qui permettent, y compris ben, aux villes, aux gouvernements locaux, même à l'État, de s'impliquer dans les coopératives. Il y a quelques exemples en France qui sont en train d'émerger et avec un enjeu aussi de SIC foncière, parce que pour tous ces projets de culturels, de... comment dire, urbaine, enfin, de transformation de, urbaine, finalement d'urbanisme transitoire. Voilà, il y a cette question des, de finalement devenir propriétaire du foncier en coopérative. Est-ce que vous avez des exemples ou des observations à faire à ce sujet-là? Bonjour, oui. J'ai une question dans les trois types d'initiatives de commun qui ont été mis en place. Est-ce que les gens utilisent le terme de commun, de mise en commun, le vocabulaire? Parce que parfois, on parle de coopérative, de projet collectif citoyen, mais je me demande si le terme des communs est utilisé ou employé. Du côté du Québec, ce que je connais, le terme n'est pas vraiment beaucoup développé. Je ne sais pas du côté de la France et du côté de la Croatie. Donc, si c'est un thème qui est fédérateur, ou est-ce que les gens en font sans même avoir peut-être l'idée, le concept? Donc, do people use the term commons in your place as a pogan or not? ¿Hay alguna cuestión más? Vale, pues de momento... Well, there are very, very specific questions. About the SIC, of course, we are aware of the SIC. I think it's a quite complex organization. It's much more complex than the cooperative that usually involves, let's say, equal members with equal status. Here, the SIC, the Society of Cooperative of Collective Interest, I think this would be the translation, involves colleges that in which you know, different type of members could exist, like organizations, are moral persons, municipalities, governments, and so on. So it is quite heavy to manage, and it takes time. And this is the point that I want to make, is that all these processes, I would say more there are bottom up, more time they take in order to arrive at the sort of maturations that allows more complex organizations to emerge. So for us, for example, with Rurban, you know, going beyond the political alleas that we had to confront, it took 10 years to have more than just one unit, and I think
and also to build trust and to show that it is a sort of, you know, sustainable initiative. It doesn't disappear when the funding disappears. And also, I think it has to decide. For instance, we are constituted as an organization that involves all the different hubs, but it is a sort of classical organization that will train us how to work together in more than one place, and then the next step would be to choose maybe a SIC or another cooperative forms that will be, you know, a more heavy but at the same time more secure form of organization for the future. And for the term commons, we do not use it as such. I think most people, and this is what people are understanding by such projects, speak about collective projects. And even to, let's say, to allow this culture of the collective practice to reborn, it takes a little bit of time. So for us particularly, we are not working in a kind of more affluent neighborhoods. We are working in working class neighborhoods that are very diverse, and even you know, people have very diverse backgrounds and references about what they mean by you know, a collective project. And again, this takes time to negotiate between cultures, between ages, between expectations also, and it's not easy. It's a quite difficult process. But also, you know, this time is given also for people to get more literacy in terms of ecological practices, in terms of what it means to be together at the end of the day. And I don't think it's very important to speak about commons at this stage. Rapidement, pour la question, donc je suis du Québec, moi. Le cadre législatif coopératif est moins développé, je pense, au Québec qu'en France. On a moins de types de coopératives. On travaille beaucoup sur la coopérative de solidarité au Québec, ce qu'on appelle coop de solidarité, avec différentes parties prenantes. Mais je ne suis pas sûr que ça ait été utilisé beaucoup pour le foncier. Au Québec, je pense, on parle de plus en plus pour le foncier de fiducie foncière, qui est encore un autre type de gouvernance. Puis je m'arrêterai là parce que là, je vais carrément sortir de ma zone de confort, mais je suis sûr qu'il y a des gens là-bas qui seraient peut-être plus aptes que moi à vous parler de la fiducie foncière comme outil de gouvernance pour le foncier. Et pour la question du commun, ben, effectivement, nous, on se rend compte dans toutes nos discussions avec entre nous, comme citoyens, avec les groupes qui travaillent avec nous, etc. Jamais on utilise le terme de commun. C'est un terme qui est incompris, en fait, pour la plupart du temps. Mais les termes utilisés, toute la pratique, vont dans ce sens-là. Mais le fait de l'utiliser en tant que tel, non. Oui, cette question, en fait, de partager le foncier dans l'urbanisme transitoire, ça devient crucial parce qu'en France, on observe quand même un phénomène qui est du pur scandale, et j'imagine que ça peut arriver ailleurs. C'est qu'en fait, on fait de plus en plus venir donc sur des friches des acteurs culturels qui vont faire vivre le quartier, qui vont développer des communs, des usages, peut-être sans le dire, mais qui vont développer des usages sur une friche culturelle, un espace qui était abandonné ou non utilisé ou mal utilisé, qui vont finalement créer de la valeur sociale forte, etc. Et puis derrière, eh bien, ce sont les promoteurs qui achètent le terrain et qui finalement détournent cette valeur en fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, et qui revendent en fait de valeur qui a été créée par l'acteur culturel ou les acteurs culturels et les habitants qui se sont impliqués dans le projet. Et donc il y a une espèce d'urgence à penser des modalités et des projets qui vont au-delà de cette période de transition. On le voit sur, ça se pose
sur voilà, toutes les grandes friches culturelles ou petites d'ailleurs en France qui sont en train d'émerger, qui créent vraiment des choses très intéressantes, qui plaisent beaucoup, enfin, qui sont très stimulantes et qui génèrent vraiment des interactions hyper riches. Et ben, voilà, les promoteurs revendent ça et finalement on profite. Et une fois de plus, ça ne va pas dans les bonnes poches. Enfin, je veux dire. Voilà. Là-dessus, à un autre niveau, c'est une question qui est infinie, et la question du foncier, mais à un plus petit niveau, nous on se pose. Enfin, moi je me pose la même question, par exemple, je vous ai parlé des ruelles. Mais plus la ruelle va être verdie, belle, etc., etc. Puis là, on ne parle pas de promoteurs, mais les habitants autour, plus la valeur du foncier autour va augmenter avec. Et donc là, ça te pose évidemment des enjeux on pourrait le voir du point de vue à qui va la valeur d'eux, puis on fait ça fois 10, fois 100, puis, et là, ce n'est pas des développeurs, mais c'est simplement les gens qui achètent la maison qui prend de la valeur. Alors, ça pose évidemment des questions de gentrification, ça pose des questions de qui a... Cette question du foncier, si on n'a pas un outil pour la traiter, effectivement, mais je suis hors de ma zone de confort quand je parle du foncier, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu fondamental là derrière pour tous les projets, en fait. Hi, thank you, and I appreciate hearing the stories of some of the failures and the conflicts and the confrontations that your efforts have had. I also really appreciate your focus on how the process itself transformed the people to be commoners, and more collaborative, cooperative people. And it will take some time to, I'm not going to say bring things to scale, I hate that concept. But what I want to ask each of you is, so you, Doina, you just talked about at this stage, we're not ready for a more complex cooperative organization. People are still learning. But what vision do you have for the future? What's each of yours vision for how, in future history, the efforts you're doing could play out in greater transformation, possibly to affect land speculation, affect displacement of people and housing, affect food production, energy production, that kind of thing. I will answer to this, but yeah. Yeah, it's just that you... I see that our effort is really modest, and it has its flaws that affect sustainability, because it's not the circuit as Doina explained. Like, I think that you cannot really create an impact only by working in the cultural field. There's a big space for acting. Education is important, and just doing programs and complaining that the audiences don't understand and don't want to come is not enough. And I really admire this theoretical plus practical approach that demonstrates how a system how it can really have an impact if it creates something for everybody and a circular situation. So for us, the vision is to save the souls of the young in these times of populism, but it's very hard, and it's very visible that many parts of society need to participate. So yeah, I will give the floor to Doina. Thank you. I have to say that I also admire, not only yours as a person, but the many collectives, cultural collectives that work in Croatia, and they have built a platform, which is a mutual help platform. So there are, I don't know how many organizations that are working for the last 30 years, I mean, from the Berlin Wall, together to mark a change, to influence change. And I think you made it
somehow the institutions that you were presenting at the end, I think it's one of these outputs in which you can see that also you have played different roles. Sometimes you were working with, sometimes you were working against. You made yourself visible and respected, and I would say uncontournable. I mean, they can't do it without you anymore. Any government can't do it without you. And I think you, well, at least this is how it's seen from a distance, which is probably has to do also with the size of the country, with the fact that almost everyone know each other. And I know that in Belgium it's similar situations. It would be very difficult in France or in UK, you know, in these kind of big countries where you do not have access to, you know, to the governments. But in what concerns ourselves, of course, this is the most urgent and the most, I think, for us important question, how to, well, I also hate, but how not to scale up, but how to be more systemic, how to make sure that you know, this initiative is not, you know, held by a label, or it's not only a number of projects that had the chance to have access to, you know, specialized knowledge and they will go further. But it's something that almost everyone can do. And I think what we are aiming for is first to set up this organization, which will emerge soon, but we have to prepare it in order to make it sustainable. Also, we negotiate with a former minister that has resigned recently about a program that will enable, will support municipalities that want to go for similar programs to have access to a sort of knowledge bank that we have constituted. We want also to start a European platform that will provide tools, financial tools, legal tools, strategic tools for setting up resilience hub, we call them, but they could be called in different ways, and to mutualize knowledge that exists across Europe, and also good practice that also exists. I mean, there are things, for example, in terms of financial tools, Spain is much more in advance than many other countries in Europe, also in terms of policy and the regulations tools, but others are more advanced in other aspects, you know, in economic tools maybe, or, and I think we can learn from each other, and then we can pool all this knowledge together in a co-production process, and this will be hopefully, you know, an innovation action project. And we give ourselves 10 more years for all this. Perdón. Ahora me toca hacer de moderadora activa. Y la verdad es que tenemos la conferencia a las 6 en el auditorio del Mercat de las Flors. Y por lo tanto, lo siento, pero tenemos que cortar aquí. En todo caso, podemos seguir hablando después en espacios también más informales. Gracias a todas.